Ah, il faut deux manettes pour le faire, c'est pareil que dans le lycée. C'est parti. Allez, c'est parti pour le premier match de carrière pro joueur. Que si mon cœur soit parfait.
et c'est le coup d'envoi du premier match dans ce groupe. Avec déjà pas mal d'enjeux et après surtout une grosse préparation. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage du système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Stoke City. L'équipe va s'appuyer sur un 5-2-3. Une défense à 5 et ça risque d'être quand même maigre au milieu de terrain. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. Il tacle. Les Marseillais auront la touche. Luis Gustavo. Allez, il y a du monde autour de lui. Il y a peut-être un coup à jouer. Tertic. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Joaland. Il y a une recrue qui est alignée au milieu. Pierre, c'est Luis Gustavo. Oui, oui, bah, son fait de gloire, c'est d'avoir participé au fameux 7-1 encaissé par le Brésil contre l'Allemagne pendant la Coupe du Monde. Donc, c'est vrai qu'on n'entend pas si souvent parler. Ce bouclier européen qui permet surtout aux équipes de soigner leur préparation. Oui, on, Hervé, on sait que c'est pas la compète de. Ouais, le bon ballon de contre. La frappe, le gardien qui repousse, ça peut revenir. Allez, les Olympiens. C'est mon cadre, c'est chaud, il est beau. Ouais, l'interception. Ouais, le ballon qui est perdu. Jeff Cameron. Ouais, elle a du potentiel. Et un autre qui sanctionne le joueur de l'OM. Ah non, c'est pas bien fait ça. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Non, elle a été interceptée cette passe. Les 30 derniers mètres. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Le dégagement pour éliminer le danger. Un bon ballon, donné de la tête. Ah oh, l'interception, il a tout anticipé. Lointain, un petit peu, il s'est un petit peu enflammé là quand même, non? Bah, ouais, cette distance c'est pas évident. Une impression de Simon Kerr. Simon Kerr qui a tout de suite. Luis Gustavo. Voilà, bien joué. Elle y remet, ouais, ça joue vite et bien. Ah, ça ne passe pas. Allez, l'occasion de passer devant. Oh là 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 là, quelle occasion! Oh, on a bien cru au premier but. Ouais, on a cru qu'il allait enfin ouvrir le score, mais finalement non. Joe Allen. Luis Gustavo. Attention, il a du champ devant lui. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du... Ah, ça va rentrer, ça y est. Ben voilà, un but pour son premier match, ça va le mettre en confiance. C'est
Elle marque avec la complicité de la barre. Voilà, c'est imparable. Et c'est l'OM qui mène le score. Jeff Cameron. Il laisse l'avant. Les Marseillais sanctionnés par l'arbitre. Qui a sifflé contre eux. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Ah, la faute marseillaise. L'attaque va s'arrêter là. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Allez, va jouer la touche. Allez. Il est en position pour centrer. Et c'est finalement repoussé par la défense. Oh, c'est bon, il est chaud. Simon Kerber, les chances ce soir. Gros match de Simon. Ah, le drapeau s'est levé, mais ça doit être vraiment limite. Anguissa. Phase de possession, ils perdent finalement le ballon. C'est dans le paquet. Un gardien qui repousse du coin. Mamdouf. C'est un adversaire qui récupère cette passe. T'as vu Simon? Là c'est bon. Voilà, bien joué les gars, bien joué. Oui, Simon, t'as vu Simon, voilà. Attention, ça peut être dangereux. Putain, il y a faux. Mais bon, tac, il lui a pris le ballon. Joe Allen. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Suite de ce premier match de la phase de groupe du bouclier européen. Ah, attention, on risque peut-être de voir des crampes dans le dernier quart d'heure. Les joueurs sont peut-être encore un peu justes à mon avis. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Ouais, l'attaque enrayée. Jeff Cameron. Un bon ballon d'attaque. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Anguissa. Ah, il perd ce ballon. C'est bon, les Marseillais à l'attaque. Ouais, la frappe. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Et Marseille obtient le corner. Le joueur qui tente un changement tactique pour essayer de chanter la défaite. Pas de temps, peut-être ce corner. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Shaqiri. Lucas Ocampos. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh, c'est bien donné en profondeur. Grégory, la frappe. Et cette fois-ci, c'est le gardien qui s'interpose. Il a frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Joe Allen. Diouf.
de certains bruits, Juan Fran serait en passe de rejoindre l'Olympique de Marseille. Il est encore trop tôt pour se prononcer, mais c'est vrai que la rumeur existe et enfle. Elle a peut-être une bonne occasion. Attention à la frappe. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Si manquable les choses. La remise en jeu pour l'OM. L'entraîneur qui apporte du sang neuf à son équipe avec un changement. Attaque propre, le ballon toujours en jeu. Le jeu qui se poursuit. Il y a avantage, c'est bien arbitré. Tatic. Touche pas mal placée là pour l'entraîneur qui va faire un changement. Ah, il a pris sa chance de loin sur cette frappe. Ah non, pas. Voilà, le ballon est perdu. Ah, fait l'ail. Aucun problème hein, pour le gardien qui n'a pas eu vraiment à s'employer pour arrêter ce ballon. Joe Allen. L'arbitre qui. Ah, faute du joueur marseillais. Bon match de Simon Kerr. La suite du bouclier européen avec ce match, Pierre. Nous en sommes au deuxième match de poule, au petit filet final. On commencera à y voir plus clair dans cette compétition. Au programme aujourd'hui, le Hertha Berlin face à l'Olympique de Marseille. Attendez deux secondes.
Allez, Arthur. Quand on voit le niveau Salut Max, de ces comment deux vas-tu? Équipes, on se dit que ça devrait être sympa, Pierre. Ouais, là-dessus, je m'en fais pas trop pour le reste. J'aime bien ce que ça va donner. On regarde à présent la composition du Hertha Berlin. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Voici la composition de l'Olympique. Ouais, de ça va très bien, écoute. Alors, tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Les Marseillais à l'attaque. Écoute, ça va tranquille, écoute. Alors, toi, je t'ai FIFA 17, Max. Il s'infiltre, attention. Le gardien qui n'a rien pu faire sur cette frappe est lointaine, absolument imparable. Regardez son équilibre. L'entraîneur qui a le sourire et ça se comprend, son équipe est dans une bonne dynamique maintenant dans ce match. Ce sont les Marseillais qui mènent. Skjelbred. Je pense qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Non, non, ça ne passe pas. Voilà, c'est mon cas des choses aujourd'hui. C'est mon cas peut-être pas du tout. De porter le danger dans le camp adverse. Oh, le grand danger. Un deuxième but. Pas de fifi. Tout si manqué. À peine remis du premier but. Voici déjà le deuxième. Ils accentuent leur avance, le score qui est désormais de 2-0. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Le centre vers ses coéquipiers. Le ballon qui navigue toujours en zone dangereuse. Lucas Ocampos. On s'approche de la zone de vérité. Oh, c'est bien donné en profondeur. Allez, il rend le ballon à l'adversaire. Lucas Stark. C'est dévié, ce sera une touche. C'est mon cas qui est très très beau aujourd'hui. Ah, dommage, c'est des cas dommage. Stenberger. Attention. Maintenant. Attention à cette perte de balle au milieu. Le Stenberger. Attention, ça peut être dangereux. C'est finalement un ballon perdu. Oh, c'est mon cas pire. Il est très très bien de savoir peut-être. Alors il continue. Ah, il a pris sa chance de loin sur cette frappe. Oh, il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Il y a possiblement une passe décisive. Et un petit. Pour le moment, c'est peut-être que.
Marseillais auront la touche. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Non, elle a été interceptée cette passe. David Slepker. Ah, peut-être une bonne occasion. Bonne anticipation sur cette interception. Ok, pensez à perdu. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Il avance encore. Oh là, c'est bon. Il a l'occasion. Comment tu peux être aussi manquer? Qui peut être aussi manquer? Qui va? Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Le tir, arrêt du gardien. Non, mon Dieu, c'est mon cas. C'est mon cas qui fait 3 mois de sa part. Cette tête, qu'est-ce que c'est mal exploité. Ouais, la trajectoire est mal jugée, le ballon est mal pris, ça lui échappe. Tout est foiré. La frappe, ouf, le gardien, okay. C'est pas fini. Ce sera un arme qui pense pour nous. Ce joueur doit être un football qui fait casse tout près. Qui est en train de faire mal. Il récupère le ballon sur cette interception. C'est mon cas. Ah, l'attaque enrayée. Mathieu Lecky. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Il s'avance vers la surface. Et l'attaque va s'arrêter là. Il gagne quelques mètres. Rentre dans le temps additionnel qui sera de 2 minutes seulement. Sous la pression de l'adversaire, Lucas Campos. Avec un tir. Magnifique. Ah, c'est le défenseur, ne le connaissait pas. Maintenant c'est fait. Hein. C'est son troisième but personnel. Il fait un match énorme, énorme. 3 buts, c'est superbe. C'est mon cas très grave. La fin de la deuxième match de la phase de groupe du bouclier européen qui va donc reprendre. L'arbitre qui vient de siffler le coup d'envoi. Ça part bien, action dangereuse. Ça n'ira pas plus loin. Je ne peux pas si j'ai la chance. David Slepker. Un autre qui sanctionne le joueur de l'OM. Stenberger. On s'approche de la zone de vérité. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé.
face à face avec le gardien. Choisit la frappe. Il faut bien le tirer si possible. Crois-moi, tu sais. Non. Et la frappe. Oh, il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Ouais, les Marseillais vont procéder à un changement. Le ballon va être en touche. Ah non, ballon perdu. Il a signé tout simplement une première période de rêve. On ne peut pas faire mieux, Pierre. Excellente performance pour lui, évidemment, avec un triplé. Et puis, bah, évidemment, son équipe mène. Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi. Il nous a régalé. Attention, ça peut être dangereux. Merci. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Il est un petit peu cerné là. Allez, par-dessus. C'est maintenant une certitude, hein, une information confirmée. Neymar, il prend sa chance. Ouais, il repousse, ça joue. En train de faire mal. Pour vous, c'est mon cœur. C'est un des meilleurs joueurs. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Ouais, bah, l'interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. J'adore la balle. Personne sur le côté. L'homme qui va pouvoir débloquer son action. Le ballon est dégagé finalement, corner à suivre. Et ça se confirme, donc deux changements de la part de l'entraîneur. Skjelbred. Ah, pas de prise de risque, ballon dégagé. Tertic. David Sepke. Ah, l'attaque enrayée. C'est mon cœur, c'est mon cœur. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. C'est mon cœur, le papa est fatigué, peut-être sur toi. L'occasion qu'on pose. C'est mon cœur. Les 30 derniers mètres. Le gardien, c'est pas fini. Oh, le but, magnifique. Grâce à ses bloqués. C'est vraiment difficile à prendre. Ah, c'est pas bien. Elle est magnifique, caractère. On voit le gardien qui repousse la première tentative, mais il peut rien sur la deuxième. Un but qu'on voit sur ces images.
Simon qui arrive même pas à s'occuper. Et la progression de Simon Kerb. On a rendez-vous avec le dernier match de poule des boxeurs européens. Alors c'est le troisième et dernier match de la première phase. On connaîtra dans 90 minutes l'identité des quatre demi-finalistes. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre l'Olympique de Marseille face au Borussia Mönchengladbach. On est à quelques secondes du coup d'envoi d'un match extrêmement attendu, Pierre. Oui, c'est une belle affiche. Tous les ingrédients sont là pour nous assister à un super match. Les supporters qui vont avoir l'occasion de découvrir leur nouvel ailier aujourd'hui. Il va signer ses grands débuts sur son nouveau maillot. Il a probablement une petite pression supplémentaire sur les épaules. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. Découvrez le 11 de départ de cette équipe du Borussia Mönchengladbach. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Le Volkspark Stadion a déjà accueilli de grandes finales européennes, notamment la C3 en 2010. Atlético Madrid-Fulham, c'était l'affiche de la finale. Alors, je n'ai aucun souvenir de cette finale. Aucun. Pas beaucoup, si, Impératrice. Ouais. Avant le coup d'envoi, une petite précision quand même. L'arbitre sera monsieur Harald Fimmler. Le coup de sifflet de l'arbitre qui marque le coup d'envoi de ce match qui compte pour la troisième journée dans cette phase de groupe. J'attends beaucoup de cette rencontre. Je pense qu'on va assister à un match entre deux équipes de qualité.
Il écarte le jeu pour Payet. La frappe. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Il est un petit peu cerné là. Tobias Strobel. Très bon contrôle, il va pouvoir enchaîner. Non, non, ça ne passe pas. Raoul Bobadilla. Il n'y a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Il a peut-être une bonne occasion. Attention! Oh, c'est tir lointain. Il manque de plus le cadre. Il pensait pouvoir inquiéter le gardien sur cette frappe lointaine, mais ce n'est pas cadré. Oh, sur ce ralenti, on voit quand même qu'il était trop loin pour espérer quelque chose. De Nassar. Et l'attaque va s'arrêter là. Si mon cœur me vient. Tobias Strobel. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Oh, c'est une marque qui peut passer devant. Attention. Non, elle est interceptée cette passe. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il n'avait pas tellement de solution. Il a senti qu'il allait perdre ce ballon. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Le duel pour la récupération du ballon. On gagne du terrain. C'est dégagé. Ah, le ballon qui a failli sortir en corner. Ouais, l'interception. Le long de la ligne de tout. Elle, la voilà, la frappe. Regardez, déçu l'entraîneur, et c'est normal. Quand tu auras l'occasion de passer devant, c'est sûr que t'es pas joueur en général. Westergaard. Christophe Kramer. Dennis Hoffman. Attention, il a du champ devant lui. Bonjour, c'est mon cœur, c'est mon cœur. C'est parti, putain. Escarvent. Il s'avance vers la surface. Ah, ça ne passe pas. Comment tu sais dans le terrain? Il n'y a pas beaucoup d'espace, hein. En glissant. Il n'y a personne sur les côtés, l'OM qui va pouvoir développer son action. T'as bien fait là, enfin. Facile. Ouais, la passe de la tête, bien. N'importe quoi, vous faites n'importe quoi. Christophe Kramer. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Attention, il perd le ballon. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Et Marseille va bénéficier du corner. L'action, une fois de plus, avec un gardien qui a bien failli s'incliner, s'en est fallu de peu. Attention à ce corner bien tiré par Dimitri Payet. Les Marseillais à l'attaque. Tertic.
choisit la frappe. Il faut réussir à cadrer ses occasions, on ne sait jamais ce qui peut se passer derrière, mais déjà il faut commencer par cadrer, j'insiste. Oui, on a compris Pierre. C'est dommage pour l'entraîneur, il aurait bien aimé que le ballon aille au fond et on peut le comprendre. Raoul Bobadilla. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Allez, le centre à venir. Le centre vers ses partenaires. Allez, le centre, mais contré par le défenseur. Ah, il s'est senti en danger, menacé par le pressing de l'équipe adverse. Il a été obligé de dégager un petit peu n'importe comment. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Diaz. Contré. Putain, mais bouge ton doigt. Christophe Kramer. Non. Ah, il faut toujours Marseillais. Sorti comme un rêve. Ah, c'est le jaune. C'est le jaune. Il va falloir faire attention à partir de maintenant. Faut sortir. T'as que pour. Allez, c'est bon. Faut y lâcher, c'est bon. Il y a une faute. Bien resté voilà, du gardien, voilà. C'est bon, qu'elle est partie. Ouais, non, pas là. Le ballon est perdu. Putain, bon, là, sort quoi un peu. Il faut pas perdre le ballon. Oscar Vint. Dennis Hoffman. Christophe Kramer. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Bélin Assar. Et il a toujours le ballon. Enduit ça. On s'approche de la. Il prend sa chance. Il est derrière. Et la mi-temps qui intervient. L'arbitre a sifflé. C'est reparti ici. Oui. Deuxième période de ce dernier match de la phase de groupe du bouclier européen. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Jordan Amavi. Un ballon récupéré par l'adversaire. Et parfois, quand l'adversaire monte au pressing comme ça, il faut se donner un petit peu d'air, si tout le monde n'a pas le choix. Il s'avance vers la surface. Interception. Pierre, revenons ensemble sur la prestation de ce joueur dans les 45 premières minutes. Moi, je trouve qu'il a été transparent, hein. Pas de but, peu d'occasion. On attend quand même autre chose en longue période. Peut-être falloir qu'il se fasse un peu violence. Attention à cette action. Oh, on a failli assister à l'ouverture du score. Il faut lui tendre les bras, mais bon, il faudrait être un petit peu plus adroit quand même. Il lui remet, ouais, ça joue vite et bien. Christophe Kramer. Douglas Strobel. Jordan Amavi. Et l'actualité, c'est bien évidemment cette rumeur de transfert. Cette information circule, on va voir comment les choses vont évoluer dans les jours à venir. Les Marseillais à l'attaque. Ouais, la frappe. C'est un corner pour l'OM. C'est Florian Thauvin qui va faire son entrée. Jordan Amavi, bien négocié, et par le gardien. Allez, c'est bon, lâche les yeux, voilà, avec toi. Raphaël, Jonas Hoffman, on a atteint l'heure de jeu. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh la frappe incroyable! Surpuissante! C'est mon cœur! Le cœur! Dites-moi!
Il a mis toute sa puissance dans la frappe. On revoit tout ça au ralenti. C'est impressionnant. Regardez son équilibre au moment de la frappe. Il rentre bien dans ce ballon et c'était le seul moyen pour marquer à cette distance. Je vous laisse admirer la qualité, la puissance de cette frappe. Il a déjà pris un jaune, sage décision de le remplacer. Ah oui, parce que même s'il n'a pas l'air d'accord avec son entraîneur, moi je pense que c'est quand même la meilleure solution. L'OM, pour l'instant, qui est devant au score. Et ce ballon est intercepté. Allez, la frappe! Oh, le bel arrêt! Ouais, magnifique! Bien joué le gardien! Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Attention à son corner bien tiré par Dimitri Payet. Le ballon se rend en corner. Nouveau corner donc. Il combine avec un coéquipier sur ce corner. ESport se vous propose un match de Ligue 1 Conforama avec cette rencontre. Ouais. L'Olympique de Marseille accueillera Dijon à domicile. Oui, les supporters sont là, nous. Attention à la frappe. Attention, ça peut être dangereux. Il prend sa chance. Ah non, c'est raté. C'était une occasion de prendre le large. Il joue son Vatou, il veut absolument voir son équipe égaliser, alors il fait ce qu'il faut pour Christophe Kramer. Westergaard. Encore un bon ballon. Bien fait. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Sanson. On s'approche du but. La faute, carton peut-être. Allez, la volée peut-être. Et le gardien qui remporte son duel. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Non, ça n'ira pas plus loin. Et le ballon qui change de camp. On s'approche de la zone de vérité. Patrick Herman. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Il gagne du terrain. Ouais, il rassure toute son équipe avec ce tacle. Westergaard. Un redoublement de passe, bien joué. Ah, le bon ballon de contre. Un dégagement sans fioriture, un long ballon en touche. Un changement demandé par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système histoire de préserver le résultat. Kramer. Ouais, c'est joué par-dessus. On a bien compris le niveau, mais c'est mal donné. Le dégagement pour éloigner le danger. Il a joué la sûreté sur ce dégagement. Winter. C'est parti vers le deuxième poteau. Il s'est dégagé du point. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Mathias Winter. Et il contre ce centre. Ça. L'arbitre laisse l'avantage à l'OM. Et ils sont à la récupération. Il faut que l'arbitre sera coup franc.
On va jouer 3 minutes de plus. Oh là là, cette tête, qu'est-ce que c'est mal exploité. Ouais, la trajectoire est mal jugée, le ballon est mal pris, ça lui échappe. Tout est foiré. Très mal donné, hein, ce ballon. Tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Voilà, c'est terminé, c'est fini, coup de sifflet final, tout le monde va rentrer au vestiaire. Ce bouclier européen qui prend une autre tournure hein, aujourd'hui. Oui, c'est une demi-finale, donc c'est le premier match de cette compétition à élimination directe. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre l'Olympique de Marseille face à l'Eintracht Francfort. La Veltins Arena, ici à Gelsenkirchen, est-il de le rappeler, le stade de Schalke-Nolfeir. Oui, un club qui déçoit assez régulièrement et que l'on retrouve pourtant souvent dans les compétitions européennes. Donc, clairement en retrait, en tout cas par rapport au Bayern et à Dortmund. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Alors, tactiquement, Oh oui, joli, bien joué le gardien. L'OM qui obtient le corner. Un tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Allez, après tout, pourquoi pas. L'occasion pour prendre les devants. Oh, il y est. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. C'est vrai qu'à cette distance, c'est quand même plus facile. Ah, même toi, tu l'aurais mis. Moi, peut-être pas, mais toi, oui. Ce sont les Marseillais qui mènent. Omar Mascarell. Peut-être un contre amorcé avec cette récupération au milieu de terrain. Les Marseillais à l'attaque. L'attaque propre, les ballons toujours en jeu. Anguissa. Dias. Trop appuyé, ça passe. Et un deuxième but, pratiquement dans la foulée du précédent. Et ils ont marqué pratiquement sur l'engagement. Et maintenant, ils vont peut-être leur mettre une valise en plus. Hein. Et voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. On dit ça. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Omar Mascarell, Sébastien Haller,
Fertic. Ouais, un bon ballon d'attaque. Oui, bien fait là, le bon ballon pour l'OM. Delton Fernandez. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Oh oui, très bon geste défensif. Il fallait le faire, il y avait danger. Les Marseillais qui tentent de porter. Le gardien qui va essayer de s'interposer. On entre dans le vif du sujet avec cette demi-finale du bouclier européen. Ouais, là, c'est sûr, il va y avoir un petit peu moins de calcul. Omar Mascarell. Sébastien Haller. Ben Hazard. Il s'avance vers la surface. Il avance encore. Le tir. Un coup tout en finesse. Je ne sais pas si c'est sur le plan physique que les Marseillais font la différence, mais pour l'instant, ils dominent vraiment leur adversaire. Maintenant que l'écart est confortable, on sent bien que l'adversaire n'a quasiment plus de chance. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Ouais, la bonne circulation du ballon. Omar Mascarell. Attention, il a du champ devant lui. Ah non, ballon perdu. Diaz. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Ah, elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Oh, le but peut-être. Alors, le ballon est perdu. Oh, le grand danger. Le gardien qui est loin. Eh non, toujours pas, encore le gardien. Allez, les Olympiens avec la touche maintenant. Grégory Sertic. Encore une touche. Ouais, le ballon qui est perdu. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Alors, ça passe assez loin finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème c'est que c'est super mal réalisé. Carlos Salcedo. Omar Mascarell. Lucas Ocampos. Ouais, peut-être une situation. Le bon ballon. Et c'est au fond. Une session de passe très précise. Après le duel face au gardien, non, c'est propre. Rien à dire. Ah, il est en jambe aujourd'hui. Hein. C'est son deuxième but dans ce match. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Carlos Salcedo. Omar Mascarell. Ce ballon qui est perdu. Peut-être un contre. Ah, il a bien senti le coup et s'est intercepté. Passement, micro pas du Simon Kerba. Les Marseillais à l'attaque. Et il gagne quelques mètres. Il choisit la frappe. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Oula, la récupération au bon endroit. Ouais, il a pris sa chance de loin. Oh, le tir qui vient raser le montant. Pas mal fait du tout ça. Il aurait peut-être mérité un meilleur sort. Delton Fernandez. Ergota. Ça part bien, action dangereuse. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini.
Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. En profondeur, oui, bien vu. Ah oui, attention. Ah oui, c'est dedans. Là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on appelle une passe décisive. C'est une offrande, un caviar. De voir un OM très conquérant aujourd'hui. Ouais, surtout un OM qui veut se mettre à l'abri d'une éventuelle mauvaise surprise, et ils ont bien raison de penser ça. Alors c'est la mi-temps, mais on connaît déjà le résultat final, hein, le vainqueur en tout cas de ce match. 3 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. Diaz. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Gardien qui repousse le ballon, qui écarte le danger. Il va frapper ce corner. Le corner en direction du point de pénalty. La relance pas terrible. Les joueurs qui regagnent le vestiaire. La demi-finale du bouclier européen qui reprend. Et 45 minutes pour se qualifier pour la finale. Attention, il a du champ devant lui. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Bastien Haller. Mais non, cette action ne donnera rien. Gagne du terrain. Oh, c'est... Attention! Il tombe dans l'axe, attention. Et Pierre, il nous a sorti une première période de très très haut niveau. Il a été exceptionnel, non? C'est un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Ce n'était pas le match en main désormais. Voilà, la faute de Marseillaise, coup franc. Interception. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, la frappe. Oh, c'est juste à côté. Ouais, dommage. C'est plutôt joli ce qu'il a fait. Attention, il n'y a plus que le gardien. Attaquant qui n'a pas eu le temps de crocheter le gardien. Hein. Oui, il a fait le choix de sortir très vite. C'est parfait. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. On s'approche du but. Avec un tir. Ouais, là, il y a eu le gardien. Bonne prise de balle, pas de souci. C'est mon cœur, chaud ce soir. C'est mon cœur. Très, très chaud. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, aucune demi-heure à jouer de cette Fernandez. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Bastien Haller. Allez, ça, le tir. Ouais, ça passe largement.
Duncan, très très fort.
premier match du Sinon Cab. Avec l'Olympique de Marseille face à Dijon. Bonjour à tous, merci de nous accueillir pour ce premier match de Ligue 1 contre Rabat de la saison. C'est comme ça qu'il faut dire. Je vais avoir le plaisir de commenter cela avec vous, Pierre. Oui, une nouvelle saison et on va voir si les joueurs sont bien dans leur meuble. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre l'Olympique de Marseille face à Dijon. Information importante de ce match, Pierre, c'est évidemment qui marque les débuts d'un nouvel ailier. Un ailier qui va devoir s'intégrer à sa nouvelle équipe très rapidement et prouver qu'il est bien à sa place ici. On a clairement affaire à une équipe qui n'hésite pas à aller presser les joueurs adverses. Ça fait quoi, Pierre? Dans ce que tu viens de dire, alors, c'est une équipe qui aime avoir le ballon et surtout qui cherche à le récupérer dès qu'elle le perd. Enfin, je dis ça, je parle pas. L'équipe qu'on critique souvent pour son manque d'ambition technique, peut-être, pour son manque d'ambition tout court, c'est vrai que le spectacle est rarement au rendez-vous. Bah, disons qu'elle a tendance à laisser l'initiative à l'adversaire. Donc quand en face tu as une équipe pas trop décidée à faire le jeu, c'est vrai que on s'amuse pas beaucoup. Hein. On va voir comment ça va tourner ce match. Au début, on va continuer. La ville de Marseille et le stade Orange Vélodrome qui ont accueilli plusieurs matchs du championnat d'Europe en 2016. Je pense à Angleterre-Russie, même si c'est pas le meilleur souvenir parce qu'il y a eu des incidents. France-Albanie. Et puis surtout la demi-finale, France-Allemagne remportée par les Bleus 2-0. Grand souvenir. Anguissard, le Marseillais à l'attaque, la frappe, oh le but, l'ouverture du score, l'ouverture du score déjà, ah ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Ah, ce but qui nous permet de voir ces images superbes au ralenti. On voit toute l'application du buteur dans sa frappe, il donne assez d'effet à son ballon. C'est le même qui va le score. Pour les buts de Sinker. Elder Costa. Dimitri Payet. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Attention à la frappe. Dias. C'est un corner pour les joueurs de l'OM. Le corner à tir. Dimitri Payet. Et un deuxième but, pratiquement dans la foulée du précédent. L'homme qui marque sur cette action, on va voir ça avec le ralenti.
Ah, le corner est bien tiré, enfin la tête est pas mal non plus, hein. Tout ça est imparable. 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Oh, il passe. Ah, un manque d'application. Mieux à faire, c'est celui-là. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Ouais, la frappe. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. C'est mon cas pour faire que moi, tu sais pas. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Le dernier mot pour le gardien. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ah, elle est bien défendu, ce ballon récupéré sur l'aile. Et la touche, on a vu le ballon a été dévié. Luis Gustavo. Jardin à la vie. Payette. Attention, ça peut être dangereux. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Allez, Pocos. Avec Camberé, il s'avance vers la surface. Bonne anticipation sur cette interception. Dimitri Payet, c'est le face à face avec le gardien. Il prend sa chance. Et Marseille aura la touche. C'est donc Paquet. Payet. Oh là là, quel manqué, mais. Ah, il en a sûrement mis des plus compliqués à l'entraînement, mais alors là... C'est clair, qu'est-ce qu'elle est moche, cette tête. Allez, oui, attention. Allez, un piqué, parfaitement dosé. Ah, les défenseurs qui ont intérêt à ne plus le lâcher aujourd'hui. Il en est déjà à 2 buts. Ça découvre ce but d'un autre point de vue. Il semble prendre un avantage quasi décisif. C'est avec Camberé. Julio Tavares. Un bon ballon d'attaque. Baguette. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en. Ah non, l'action ne donne rien finalement. La passe était trop appuyée. Alors, jeu qui est signalé. Ah, c'est dommage hein, pour le joueur qui filait. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Tchatic. Il avance encore. Fouad Chafik. Anguissa. La frappe. Oh oui, bien joué, le gardien à la parade. Il pose son ballon pour ce corner. Allez. Le corner en direction du point de pénalty. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. On s'approche du but. Et ça joue vraiment très bas. Hein. Ah, c'est contré. Et Marseille qui obtient le corner. En deux temps, peut-être ce corner. Là, pour son partenaire, le centre qui sera pour le gardien, tranquille.
Attention, il a dit un tir lointain. Ouh, de peu à côté. Bonne récupération au milieu de terrain. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. C'est avec Cambéré. Non, elle est interceptée cette passe. Attention, ça peut être dangereux. Et ils sont à la récupération. Voilà, ça joue vers l'avant. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Hors-jeu signalé. La défense qui s'est fait une petite frayeur peut-être. Les grandes heures de l'Olympique de Marseille, ça reste quand même le début des années 90. Oui, avec des titres de champions et surtout cette fameuse Ligue des champions en 93. Fouad Chafik. Elder Costa. Enlevé ça. Samaritano. Bonne anticipation sur cette interception. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. Ça part bien, action dangereuse. On gagne du terrain. Un centre long pour le gardien, ce centre. Tavares. Allez, faute, oui, faute et coup franc, ça peut être dangereux. Carton jaune et surtout un coup franc dangereux à suivre. Et on a dégagé pour écarter le danger. On a bien dosé cette passe de la tête. On vient d'assister. Ils ont dominé la première période tranquillement. La grosse première mi-temps de leur part, c'est vrai. Maintenant, on espère qu'après le repos, il y aura un petit peu plus d'opposition en face. Ouais, bien joué, c'est pas terminé. Attention. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Gilles Bocchi. Samaritano. Ah non, ballon perdu. Tavares. On s'approche de la zone de vérité. Il tacle. Dimitri Payet. La bonne protection du ballon là. Bien campé sur ses jambes. L'arbitre a sifflé. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui va être averti. Et un carton jaune, l'arbitre est très clair. Et ça va être compliqué. Florian Thauvin. Peut-être une bonne opportunité. Attention. La frappe. Ah, si les défenseurs ne le connaissaient pas, maintenant c'est fait. Hein. C'est son troisième but personnel. Superbe performance personnelle. Joli triplé en effet. Il va peut-être pas s'arrêter là. Hein. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Fouad Chafik. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but.
d'après certaines informations qui circulent, Aaron Ramsey serait en passe de rejoindre le Paris Saint-Germain. Essaye simplement de faire monter les anges. Hervé, cette bonne guerre. C'est mon capitaine. Dimitri Payet. Ah, écoute, s'il fait de l'arbitre, il y a hors-jeu. Tiens, regardez ce que prépare l'entraîneur. Les trois changements en même temps. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Elder Costa. Ah, elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Luis Gustavo. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Fouad Chafik. Sanson. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, bien joué. Attention à la frappe. Ah, ça va être dedans. Meilleur buteur de championnat qui s'échauffe sous les yeux d'un public qui attend son but du spectacle aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. La KBS m'a rejoint dans la cabine des commentateurs à l'instant et tout essoufflé. C'est la plus facile de la merde. Bonjour à vous, pays pour jouer. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre l'Olympique de Marseille face à Angesco. L'équipe qui aligne un nouveau défenseur aujourd'hui. Oui, il fait ses grands débuts aujourd'hui dans cette formation. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Mmh.
par cette équipe. Elle ne reçoit pas toujours les compliments des observateurs, Pierre. Mais c'est vrai qu'elle fait la différence assez souvent sur sa faculté à être forte sur les contre-attaques, les contres. Ouais, ça ne plaît pas toujours aux esthètes, donc ça ne me plaît pas à moi, puisque je suis un esthète. Mais à l'inverse, il y a des coachs et des supporters, ça ne dérange pas du tout, du moment que ça gagne. L'Olympique de Marseille, qui vous en souvenez certainement, reste sur une victoire à domicile face à Dijon. Une écrasante victoire 5-0 qui a évidemment donné une belle confiance aux joueurs. Ils sont les favoris. Le match qui sera placé sous la direction de M. Alexei Potrepkine. Et l'arbitre qui s'assure que tout le monde est prêt. Et c'est parti. Ça part bien, action dangereuse. Alors le ballon est perdu. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Il avance encore. Oh, l'occasion. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Je sais que t'aimes bien ce genre de but, Pierre. Ah oui. Ce sont les Marseillais qui mènent. Baptiste Santamaria. Un redoublement de passe, bien joué. Peut-être une. Le gardien qui va sortir. Il prend sa chance. Et c'est la marque en pousse, ce n'est pas terminé. Il lui donne ce ballon de la tête. Il gagne du terrain. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Eric Capel. Ah, là, ça joue vers l'avant. Baptiste Santamaria. Oh, il n'est pas seul, il y a du soutien. Thomas Touré. Il faut qu'il centre maintenant. Tertic. Payet. Un bon ballon d'attaque. Ah, le bon décalage. Oui, attention. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terrible. Ah, quelle frappe de la tête, timing parfait. Ah, très belle tête, hein. Magnifiquement placée. Et cette superbe tête qui finit au fond des filets. Le but, toujours, on ralentit cette fois. Un but en deux temps, un peu chanceux certes, mais il fallait être là au bon moment et surtout garder la tête froide pour la mettre au fond. Ça fait 2-0 et domine les débats. Hein. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Baptiste Santamaria. Oh, il passe. Le défenseur qui stoppe net cette action. Ah, le défenseur qui l'a amené doucement à sortir en touche. Diaz. Et Marseillais. Un tir lointain. Ça a été bien trop loin pour tenter quoi que ce soit de dangereux. Oh, qu'est-ce qu'il est perso sur cette action. On voit la belle anticipation après le premier arrêt sur cette action. C'est lui, place. Pisco. Lorient Thauvin. On vu ça. On s'approche du but. Tacle.
est perdu. On s'approche de la zone de vérité. Avec un tir, c'est pour le gardien. Tatic. Le ballon en retrait. Oh, c'est renvoyé par la barre. Il prend la frappe. Oh oui, le but. Et quelle précision, Hervé. Hein. Ça passe juste sous la barre. Un but qui permet à cette équipe d'accentuer encore son avance. On voit mal ce qui pourrait empêcher cette équipe de gagner cette rencontre. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Salut, j'ai pas 5. Clairement, ce match tourne à leur avantage. On récupère ce ballon dans l'entrejeu. Pierrick Capel. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Attention, il a du champ devant lui. Pierrick Capel. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Luis Gustavo. Il s'infiltre, attention. Contré. Ça n'ira pas plus loin. Ça peut être dangereux, hein, ce pressing là. Mathieu Duchel. Baptiste Santamaria, l'OM qui récupère. Je pense qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Le gardien qui gagne son duel face à la tête. Deuxièmement, je vais répondre à l'invitation de mon ami GTA. Voilà. J'ai pas coupé mon live. Voilà, merci. Baptiste Santamaria. Ismaël Traoré. Peut-être une bonne occasion. Cette passe. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Sans aucun problème. Pour le gardien de but. Garçon. L'arbitre qui siffle à l'instant la fin de cette première période.
Bon, Pierre, il n'y a eu aucun suspense en première période. Comment vous voyez la deuxième? Ça a tous les contours d'un match déjà plié. Je ne vois pas trop comment l'adversaire peut inverser la tendance. Ouais, de l'autre côté. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Très mal donné, hein, ce ballon. Ouais, bien taclé, le ballon. Ouais, lumineux, cette passe. Mais non, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. L'information a été confirmée. Romelu Lukaku a signé à Manchester United en provenance d'Everton. Quand je vois la somme qui a été déboursée dans cette transaction, je me dis que le foot est quand même en train de devenir un peu ma boule. Vincent Monceau, oh, bien coupé là par le défenseur. Payet. On gagne du terrain. Ouais, ils sont nombreux. Il choisit la frappe. Et il ne s'est pas laissé surprendre sur ce coup. Ouais, le Marseillais va procéder à un changement. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Tertic. Un redoublement de passe pour créer de l'espace. Ouais, pas de prise de risque, ballon dégagé. C'est ce que je fais maintenant. Non, non, ça ne passe pas. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons pour de la Ligue 1 Conforama avec cette rencontre. L'OM affrontera Nantes à l'extérieur. Un véritable choc à venir qui devrait tenir toutes ses promesses. Les Marseillais à l'attaque. Un bon ballon qui va peut-être trouver le preneur. C'est dégagé en corner. Payet vers le point de pénalty. Attention parce que la menace est toujours là. Le public qui réclame un tir. Ah, faute du joueur marseillais. L'arbitre qui appelle le joueur de l'OM va sortir un carton, un clair. Un jaune normal. Ouais, on passe par les côtés. Baptiste Santamaria. Eric Capel. Ah non, c'est pas bien fait ça. Ouais, la tête, c'est bien vu. Eric Capel. Il tacle. Florian Thauvin en profondeur, lui, bien vu. Il a le ballon Payet. Dimitri Payet. Ouais, la frappe. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. L'Olympique de Marseille qui bénéficie d'une touche. Maxime Lopez. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Allez, attention, il sort. C'est parti. Ah, le but. Oh, le but phénoménal. Enfin, il en faut de la puissance pour marquer d'aussi loin. En tout cas, ça donne de magnifiques images. Regardez son équilibre au moment de la frappe. Il rentre bien dans ce ballon et c'était le seul moyen pour marquer à cette distance. Admirez toute la puissance qu'il met dans ce ballon. L'équilibre parfait au moment de la frappe. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, c'est bien taclé, il faut récupérer ce ballon maintenant. Ouais, le ballon qui sort, ça va être un 6 mètres.
Elle cède donc sa place après une très belle prestation. Il remercie d'ailleurs ses supporters au moment de quitter le terrain. C'est bien ce qu'il a fait dans ce match. De la tête, bien joué. Sanson. Elle parvient à stopper cette offensive. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il était temps, hein. Il était temps. Thomas Touré. Allez, ça joue. Et l'arbitre qui... Les amis, on s'est dit bonne nuit. Il y a demain pour un nouveau lab pour l'aventure Alicenta. Je vous souhaite une bonne nuit à tous et à demain.